Nous sommes le 3 juin 2017. Je suis agent de sécurité, je surveille un site. Un site où ils ont peur qu'il y ait des vols. Voilà ce qu'on nous laisse comme local. Voilà. Donc c'est pas très idéal. Pas de branchement électrique. Mon seul local est la voiture que vous voyez là-bas. Ma voiture perso. Voilà. Je vais vous faire voir aussi par rapport aux toilettes. Voilà les sanitaires qu'on nous laisse, des sanitaires de chantier. Alors faut pas avoir une grosse envie, en plus il n'y a pas de lumière dedans. Il faut savoir qu'on reste 24 heures sur 24 sur le site. Donc pas d'électricité, pas de lumière. Si le portable est déchargé, on ne peut pas appeler les autorités. Vu qu'on peut pas. Vu qu'il n'y a pas de lumière, vu qu'il n'y a pas d'électricité. On a bien des groupes électrogènes, mais ils ne nous laissent pas nous en servir. Une autre solution, on pourrait pomper sur la batterie de la voiture, mais à ce moment-là, on ne pourrait plus repartir. Faire tourner le moteur de la voiture, ça dépense de l'essence. Voilà les conditions de travail que Securitas donne à ses sous-traitants.